Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Et aujourd'hui on va parler sac à dos, on va parler astuces. Vous êtes très nombreux à partir en Australie, en Nouvelle-Zélande, en tour du monde. Aujourd'hui je t'en dévoile les 5 et franchement tu vas voir, ça va faire vraiment la différence. Première astuce, le poids du sac à dos. Un conseil à te donner, pars le plus léger possible. T'as compris? Comprendo. Alors bien sûr ça dépend de la destination où tu vas. Si tu vas en Australie, tu prends un sac à dos beaucoup plus léger que si tu pars au Groenland ou en Nouvelle-Zélande. Mais un conseil, un bon sac à dos, c'est 15 kg maximum. 15 kg, you understand? Parce que le problème qui se pose, c'est que si tu as un sac à dos très lourd, ton sac à dos, ça va pas être ton ami, ça va être ton pire ennemi. Et crois-moi, quand on voyage, t'as pas envie de te trimballer un truc très lourd. 15 kg, 15 kg, c'est bon, c'est rentré dans ta mémoire. S'il y a un truc rassurant quand tu pars en voyage, c'est d'ouvrir ton armoire. Et de prendre un maximum d'affaires pour te rassurer. Mais tu crois vraiment que ça sert à grand chose? Tu vas au bout du monde, va à l'essentiel, c'est le plus important. Non mais Damien, c'est bien beau de parler, mais ton sac à dos idéal c'est quoi? Car je sais pas quoi prendre. C'est pas compliqué, tu vas à l'essentiel et tu me suis, regarde. Tu vas prendre 5 slips ou 5 culottes. Voilà, t'as compris le truc? 5 paires de chaussettes, 5 t-shirts, un pull, éventuellement une petite laine ou un pull un peu chaud si tu vas dans un pays froid. Alors bien sûr faut t'habiller en conséquence, mais si vous êtes dans un pays chaud vous allez à l'essentiel. Après deux pantalons et ça suffit, il n'y a pas besoin de plus, tu vas à l'essentiel, tu prends pas plus de vêtements. Il y a un truc qui a été inventé récemment, c'est la machine à laver, c'est très efficace quand tu voyages. Alors moi mon astuce c'est que je lave au fur et à mesure, c'est à dire que quand je prends des douches dans des backpackers ou dans des auberges jeunesse, je lave au fur et à mesure, j'ai toujours du linge qui est en train de sécher. Encore plus simple si tu voyages en van, tu laves du linge au fur et à mesure et tu fais sécher à l'arrière. Et si vraiment tu passes d'un pays chaud à un pays froid, tu achètes un peu en conséquence, mais à la base, pars le plus léger possible, 15 kg. Troisième astuce, les chaussures. Alors moi ce que j'adore c'est prendre les talons aiguilles, les paires de running, les paires de chaussures de randonnée, les paires de soirée. Mais à un moment donné faut arrêter là, on arrête, hein. on se calme, hein. on se calme. Tu vois pendant un an ça c'est ta maison, tu en prends soin et tu le respectes et tu le cherches pas trop. Donc ce qui est très important c'est ne pas prendre de chaussures de randonnée sauf si vous êtes passionné de randonnée. Par expérience je prends une chaussure de trail qui fait office de paire de randonnée et je peux aussi courir pour faire du sport pendant la plage ou dans les parcs ou faire un peu de rando si j'ai besoin. Après tu peux très bien prendre une paire de chaussures de soirée, maximum deux paires, tu m'as compris? Pas plus. Ah s'il y a un truc que j'adore c'est les gadgets en voyage. Moi quand je voyage je prends un tas de gadgets comme cette lampe dynamo. Par exemple, cette super pochette pour, qui fait office de cache-billet. Quand tu n'as jamais voyagé, tu as envie de prendre tous les gadgets du monde au magasin ou en ligne. Mais je te conseille fortement d'éviter tout ce qui est gadget, ça ne te sert à rien. Va vraiment à l'essentiel. Un aspi-venin, ça va te servir à rien, par exemple. Faut arrêter de se prendre pour un man versus wide. Vraiment, tu te poses la question, qu'est-ce que tu as vraiment besoin de partir en sac à dos? Va à l'essentiel. 15 kg maximum, pas de gadget. Ouais, moi Damien, j'adore la vidéo. Je prends un Mac, un ordi, un drone, etc. Alors le dernier conseil les amis, partez le plus léger possible au niveau matériel électronique. Alors si vous faites de la vidéo comme moi, vous êtes mal parti. Par exemple, vous pouvez prendre un petit netbook ou une petite tablette, mais ne prenez pas un gros ordi 7 pouces avec le gros chargeur. Allez vraiment à l'essentiel. Si vous aimez la photo, prenez un réflexe. Mais n'achetez pas un réflexe pour acheter un réflexe ou un bridge. Si vous comptez pas faire de la photo, vous faites tout en automatique, un smartphone suffit largement. Par exemple, n'achète pas un drone pour faire un drone parce que c'est la mode. Achète-toi du matériel utile. Voilà les amis, j'espère que vous avez bien aimé la vidéo. N'hésitez pas à liker, à mettre un petit commentaire et à réagir en fin de vidéo. Et on se retrouve à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut les amis!